m'appelle Virati et je vous adore. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner maintenant. Vous avez 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cet abonné, vous êtes de véritable YouTube Ninja. Ouya! Ouya! Ouais! Aujourd'hui, on va faire le top 10 des piscines les plus incroyables du monde. Le classement des piscines qui devrait même pas exister. Tellement elles sont folles, tellement elles sont dangereuses aussi quand même. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que la dernière vidéo est vraiment la plus folle. Le plus incroyable, j'ai jamais vu ça. Elle va te choquer. Si tu aimes ma chaîne, si tu aimes les vidéos que je fais, abonne-toi. Si tu veux que je fasse d'autres top 10 comme ça, abonne-toi et laisse un pouce bleu. On commence tout de suite. La piscine la plus incroyable, numéro 10. C'est une piscine qui est en haut de 3 immeubles. C'est incroyable, hein. Cette piscine est à Singapour, en Asie. Les amis, est-ce que vous êtes déjà allés à Singapour en Asie? Dites-moi dans les commentaires. Allez, regarde la vidéo. Là, il présente l'immeuble. La piscine est plutôt normale, mais elle est très haute, hein. Ça devrait faire peur. En tout cas, elle est très longue, je trouve. J'aimerais bien y aller, je pourrais me baigner comme ça. J'espère qu'un jour mes parents vont m'amener en Asie à Singapour, hein. Je pourrais aller dans cette piscine. En plus, les lumières sont tellement jolies. Les immeubles sont énormes. Trop bien. C'est joli comme ça. Quand on est en haut d'une piscine, on peut voir plein de choses si on se met au bord là. Mais cette piscine est immense, c'est incroyable, hein. Vous avez vu comme elle est grande. En tout cas, cette piscine, elle est trop bien. C'est la plus grande piscine du monde sur gratte-ciel. Pouce bleu. Allez, piscine suivante. Piscine numéro 9, le Golden Nugget. C'est à Las Vegas aux États-Unis. Cette piscine, elle est folle, vous savez pourquoi? Cette piscine, c'est à côté d'un aquarium géant. Géant, géant. Allez, regarde la vidéo. Donc bah là, on voit la piscine avec l'aquarium, c'est tout ce qu'on voit, hein. C'est quand même très très beau, hein. Vous trouvez pas, les amis, hein? Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a un toboggan là. Là, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ouah, on peut glisser. Ouais, c'est trop bien. Il y a des requins là, tu vois. C'était trop bien. Ça m'intéresse vraiment. Si t'as aimé, laisse un pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires si t'as aimé. Allez, piscine numéro 8. Le Blue Lagoon en Islande. Allez, on jette un coup d'œil. Waouh. Elle est bien cette piscine. On dirait que cette piscine peut nous emmener jusqu'à une montagne. Je veux dire, par exemple, à la campagne, on est à Lyon, ou quelque part, et ça nous emmène à la campagne. J'aimerais tellement y aller un jour. J'espère que mes parents vont m'emmener, hein. Et vous, les amis, est-ce que vous voulez bien aller là-bas? Dites-moi dans les commentaires, encore une fois. Waouh. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Seulement, il y a un petit problème à cette piscine. Pourquoi elle fume? C'est bizarre ça. Vous avez vu, il y a plein de fumée. À mon avis, c'est l'eau qui chauffe. Je sais pourquoi. Parce que cette piscine est sur un volcan. Ça fait peur ça. J'ai pas envie d'y aller. Peut-être que le volcan va s'allumer. Alors les amis, si vous voulez prendre un petit bain dans une piscine sous un volcan, vous allez en Islande. C'est là-bas qu'il y a une piscine sous un volcan. Ça vous plaît? Allez, un pouce bleu. Nemo 33. C'est une piscine qui est un peu bizarre, vous allez comprendre. Allez, regarde. En fait, c'est une piscine qui fait 25 mètres de profondeur. Je sais pas si vous réalisez comme c'est fou ce truc, hein.
Waouh. En fait, 25 mètres, c'est à peu près une piscine qui est haute comme la tour Eiffel, hein. Ah non, la tour Eiffel est bien plus grande. Alors, regarde un peu. Ah, c'est impressionnant quand même. En fait, il faut un équipement spécial. Allez, vidéo numéro 6, comme ton âge. Alors, la piscine numéro 6, c'est une piscine d'un parc aquatique. Ce parc s'appelle le Siam Park. C'est à Tenerife en Espagne. Ou plutôt sur les îles Canaries. Vous êtes déjà allé? Allez, on regarde. En fait, cette piscine, elle fait des vagues artificielles. J'aimerais beaucoup aller là-bas. Ça va être trop cool. Oui, trop cool. Ouh. Wow, wow. Ouh là là là. C'est incroyable, hein, la vague. Allez, elle est comme ça sur tout le monde. Les amis, pendant qu'on parle des piscines vagues, je vous présente une autre vidéo à Disney. Vous allez voir la folie des vagues. Regardez, là, t'as des vagues. T'imagines une vague géante qui arrive sur toi comme ça? Ça arrive. Non mais, elles sont énormes. Waouh, waouh, waouh. Elles sont vraiment énormes, les amis. Non, 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 c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Allez, piscine suivante, vite, vite. Super. Et numéro 5, la piscine Y40. Elle fait 42 mètres de profondeur. Je sais pas si tu réalises. Allez, on regarde la vidéo, je crois que c'est en italien. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'adore l'Italie. Et vous les amis, vous aimez l'Italie? Dites-moi dans les commentaires. Je regarde la vidéo. Oh là, t'as un trou là, attention. Oh là là, ça fait peur. Bon bah, en tout cas, il faut une combinaison de plongée. Moi, j'aimerais bien faire de la plongée. La piscine numéro 4, ça s'appelle Homestar Crater. C'est une piscine aux États-Unis sur une source de choses. C'est un peu comme les volcans, je crois bien. Sauf que là, tu vas directement dans la grotte. Comme ça, il fait encore plus peur. Ouah. Allez, on regarde la vidéo. Apparemment, l'eau est toujours chaude, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il y a seulement une petite ouverture en haut de la grotte. La cage de la mort. C'est une piscine avec des crocodiles. Apparemment, on descend dans une sorte de cage en verre. Ça va faire peur. C'est trop peur. Parce qu'il y a des crocodiles à côté. Mais ils peuvent nous manger en fait, je crois. Ah non, on est protégé par le verre. Ouais, on est protégé par le verre. Voilà, on est dans une cage, on descend. La piscine est pleine de crocodiles. Je vous rappelle. J'ai l'impression qu'il est en train de lui proposer une recette de cuisine. Pour qu'il mange quelque chose. Mais, d'accord, mais les crocodiles doivent être dans l'eau, donc on a vu ce matin. Bon, en tout cas, ce truc fait hyper peur. Moi, je n'irai jamais là, hein, attention. Et vous, les amis, vous allez aller là-bas? Dites-moi dans les commentaires. Allez, on passe à la vidéo numéro suivante. Numéro 2. Non, mais c'est une piscine incroyable. Hein. J'ai peur. Regardez. Oh. Oh là là. Attends, qu'est-ce qu'il veut faire là? C'est impossible qu'elle descende en bas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprends rien là. Mais. Thank you.
Ah ouais, là je comprends mieux maintenant. Regardez cette piscine. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Regardez, on marche dans le vide. Ah ouais, là j'ai compris, hein. J'ai vraiment compris. Hein. Là c'est une piscine avec une partie qui donne sur le vide. Ça veut dire que tu peux te baigner, t'as les pieds dans le vide. Hein. Mais je voudrais pas vous le dire, mais moi je voudrais vraiment essayer. Allez les amis, on passe à la piscine numéro 1. Attendez les amis, après cette vidéo hyper folle, je vais vous montrer une autre vidéo encore plus folle que celle-là. C'est le cadeau pour vous les amis. Une vidéo incroyable. Allez, on regarde la piscine numéro 1. Oh, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe là? Mais je me demande comment ils peuvent respirer tout là. J'ai un truc. C'est quoi ce délire? Non mais... Qu'est-ce qui se passe là? Je rêve ou quoi, mon ami? Je suis en train de rêver là. En fait, c'est une piscine au Japon dans un musée. En fait, cette piscine, c'est une illusion. C'est pas vraiment une piscine, si vous voulez. On va voir le secret de cette piscine, ok, les amis? Là, il y a des photos, regardez. Vous pouvez voir un peu mieux. Ah, là, on voit que la piscine, elle est juste en haut. Voilà, en fait, en dessous, il n'y a pas d'eau. C'est seulement en haut. En haut, il y a un peu d'eau pour faire un petit peu la piscine. Un tout petit peu, à peu près comme ça. La piscine en haut, elle est comme ça, je crois. Regardez, on voit bien là. Cette piscine était vraiment très belle. Elle nous a beaucoup amusés. Mais bon, c'est pas vraiment une piscine, vous êtes d'accord? Ah, vous êtes bien d'accord, les amis? Je vous sens un peu fâchée quand même, là. Allez, pour me racheter, je vais regarder une autre vidéo qui va vous faire peur cette fois-ci. Allez, vidéo bonus. Alors, là, c'est une piscine dans un parc aquatique aux Philippines, en Asie. Regardez bien, on peut nager avec des requins. Jetez un coup d'œil. En vrai, c'est des requins baleines. Ils sont où les requins baleines? C'est plutôt seulement des baleines, je trouve. C'est vraiment hyper bizarre. Ah ouais, c'est des requins baleines. Ouais, c'est des requins baleines. Parce qu'ils ont des... c'est pas comme ça des baleines d'habitude. Donc c'est bien des requins baleines. C'est hyper bizarre. C'est incroyable parce qu'ils peuvent pas nous manger en fait. En tout cas, je crois que ça c'est la piscine la plus incroyable du monde. Hein. C'est même pire que la cage de la mort avec les crocodiles. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Moi je sais pas trop si je vais aller là-bas. Hein. Il faut que je réfléchisse. Je crois qu'il pourra manger d'un seul coup comme ça. Hein. Au revoir les amis, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche. À la prochaine fois les amis. Oh, oh.